Bonjour Maxime. Déjà, je cherchais un terrain pour faire du maraîchage. Donc du maraîchage bio, bien sûr. Et comme j'avais pas d'argent pour acheter un terrain, donc je cherchais à louer. C'était un peu compliqué, il n'y avait rien. Et les propriétaires aussi étaient un peu compliqués. Et donc j'ai trouvé, comme je fréquentais pas mal le milieu associatif Albi, des gens qui s'occupaient de ce projet d'installer des maraîchers. La mairie qui achète des terrains pour installer des maraîchers à Canavière ici. Et du coup, il y a ce terrain qui est une ancienne friche qui était disponible. Et je me suis installé dans cette friche. Et comme il y avait des milliers d'arbres qui poussaient, du coup j'ai pu faire un milieu en agroforesterie avec ces arbres, en m'implantant dedans, en faisant des bandes de culture au milieu des arbres. Donc moi c'est Jean-Gabriel, je me suis installé sur ce terrain qui s'appelle la Petite Forêt Maraîchère, qui est une ancienne friche qui fait 8000 m2, et j'ai d'autres petits terrains à côté. Ça fait à peu près 5 ans que c'est en place, c'est que maintenant ça commence à produire. Et voilà, c'est tout un système de maraîchage sur sol vivant. Il y a les principes de la permaculture, paillage permanent, couverts végétaux, BRF avec des tailles de trognes, d'arbres en trognes qui sont sur place. Et voilà, c'est tout ce système qui produit des légumes plus que bio. Plus que bio, mais comme je ne peux pas utiliser le mot bio parce que je ne suis pas certifié, donc c'est bon d'ici et organique. Comment arrives-tu à faire pousser des légumes sous les arbres? Oui, alors les arbres qui sont sur les bords de mes bandes de culture, ils sont déjà taillés en trognes, donc ils sont à peu près taillés à la hauteur de mon escabeau que je puisse les tailler convenablement, facilement, et à peu près à 2,60 m. Et du coup, après tous les ans, il y a des repousses. Et ça, je les taille tous les ans, ça me permet de faire du broyage, du BRF. Mais aussi l'été, quand il y a un peu trop de branches, je peux éclaircir. Je garde les branches qui montent verticalement et celles qui sont horizontales. Là, je les supprime pour que le soleil y passe sous les branches, en fait. C'est pour ça que je les fais assez hautes, les trognes, à 2,60 m, pour que le soleil passe dessous. Et du coup, il n'y a pas trop de soleil et suffisamment pour les plantes. Mais l'été, quand il fait très chaud, elles souffrent moins du soleil, qui est de plus en plus chaud d'ailleurs en ce moment, où il y a de moins en moins d'eau. Du coup, il y a cet avantage-là, mais après, il y en a plein d'autres. Je crois en Amazonie. Par rapport aux racines, l'échange des mycorhizes, les arbres aussi remontent l'eau. Là ici, il y a une nappe dessous, l'eau elle est à 4 mètres du sol. Et c'est une zone un peu humide et du coup, il y a toute l'eau qui remonte par rapport à l'action des racines des arbres. Voilà, et puis après, il y a tout ce qui est insectes dans les trognes, les oiseaux. Voilà, il y a tout un écosystème qui se crée autour de ça. On est des porte-fleurs. C'est pour ça qu'il fallait des fleurs. Et on tourne un peu. Je suis vachement aidé, hein. Vous êtes 50, la pêche. C'est hyper bohème comme truc. Salut. À peu près comme ça. D'accord. C'est bon élastique. Ah oui, c'est bien. Voilà. Okay. Putain, tu nous avais caché tes talents de fleuriste.
Et encore, j'ai fraîchi d'habitude, je mets plein d'autres fleurs. Ah, ouais, ouais. Combien il y en a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, il en manque un peu de milieu là. Putain, je vais mettre ça au pied de ton appareil. C'est vrai qu'il est vachement vénère le courant, toi. Vachement vénère. Moi je suis à la caméra. Le grand chef est à la caméra. Ah, c'est bien ça. Alors ici la terre, justement, la terre s'est remplie d'êtres vivants. Et mon but ici c'est de nourrir justement tous ces êtres vivants dans la terre, les vers de terre, tout ce qui les compose en matière organique. Et par la suite c'est eux qui nourrissent mes plantes, en faisant en sorte que la matière organique se décompose, devienne des minéraux qui sont absorbés par les plantes. Et c'est pour ça qu'ici, les seuls apports qu'il y a, c'est des matières organiques comme bon, déjà le broyage, une grosse quantité de broyage aussi que je récupère de l'extérieur, des élagueurs qui m'amènent des broyages, que je laisse décomposer dans des allées justement, pour éviter les fins d'azote, et après que je remets sur les bandes de culture, quand c'est suffisamment décomposé, qu'il n'y a pas de risque de fins d'azote. Il y a ça, et après bah, il y a toutes les feuilles aussi qui sont intéressantes, des arbres qui tombent. Il y a un peu d'apport de fumier, des fois qu'il y en a, il y a de l'herbe aussi, tout ce qui est herbe, que je désherbe, ça sert de paillage. Voilà, et après le but justement à terme c'est de bien gérer les couverts végétaux, faire des cultures sur couverts végétaux. Et là aussi ça apporte la matière organique, ça travaille le sol par l'action des racines, et ça nourrit aussi tous les micro-organismes qui sont dans le sol. Donc voilà, en grosse partie c'est ça. Après des fois il peut y avoir un peu de fumier, de cheval, quand j'en récupère. Mais voilà, après il n'y a aucun intrant industriel, des granulés faits dans des usines, transportés, etc. Donc j'essaie de faire ça et pour le moment ça marche. Ben après déjà, c'est déjà faire du maraîchage des bons légumes bio. Et comme j'ai dit, ici c'est plus que du bio. Parce que voilà, les légumes ne sont pas trop arrosés. C'est des variétés anciennes qui ont plus de goût que les variétés modernes. Et je favorise tout ce qui est la qualité gustative et nutritive. Donc mes clients, ils ont des très bons légumes pour s'alimenter. Et, au lieu d'acheter des légumes de supermarché qui sont pleins d'eau et qui valent rien, qui n'ont pas de goût. Et encore moins qui sont moins nourrissants que des légumes produits dans ce système le plus naturel possible. Donc il y a ça, et après c'est local, j'ai la chance d'être à côté d'Albi à 1,5 km. Donc ça aussi, ça compte, au lieu de manger des légumes qui viennent du fin fond du monde. Donc il y a tout ce côté écologique et voilà, et relationnel aussi, les gens qui savent où c'est produit à côté de chez eux, qui peuvent venir voir. Et voilà, et puis après, bon, il y a tout un tas de... Voilà, de partage. Il y a des woofing, des gens qui viennent faire des woofing, qui viennent voir ça, apprendre, et qui participent. Et il y a tout un tas d'échanges. Bon, après, tout le milieu associatif que je fréquente aussi, qui connaissent le lieu. Il arrive qu'il y ait des petites réunions, à la petite forêt. Voilà, et après évidemment oui c'est de... Voilà, ici il fait un microclimat qui est très agréable l'été. Il fait pas trop chaud par rapport en ville, évidemment. Et il y a plein d'oiseaux et c'est très agréable. Voilà, après oui, tout le côté relationnel avec les gens qui habitent dans le coin, c'est important aussi. Et en fait, le partage
ce qui est le plus important, c'est de sensibiliser les gens à manger des légumes de qualité, au lieu d'acheter des choses dans les multinationales, des supermarchés et compagnie, et bien qu'ils prennent conscience que c'est bien d'acheter des légumes à leurs petits producteurs locaux, qui sont près de chez eux, qui sachent comment c'est produit et tout, et sensibiliser les gens à manger des bons légumes, et réapprendre à trouver le bon goût, le plaisir de manger des légumes comme il faut, savoir les cuisiner et tout. Donc c'est ça le partage aussi, c'est que les gens, il y en a beaucoup qui ont perdu tout ça et qui savent plus ce que c'est, il y a des gamins qui savent plus ce que c'est des légumes et tout. Donc c'est de faire connaître ce que c'est vraiment, comment c'est produit des bons légumes. Sensibiliser les gens à manger mieux, comme il faut, et avec des bons produits. Tiens, mange Maxime. Et mais merci à toi Maxime de ce que tu fais, c'est très bien. Et je te souhaite de vous rencontrer plein d'autres lieux où il y a des bonnes choses qui se font pour le bien de tout le monde.